Mathieu Champagne, cofondateur de Black State et de Champagne Capital. Ce que j'ai vraiment aimé de mon expérience jusqu'ici, comment que je l'illustre, c'est un peu comme un professionnel sportif. Là, je vais prendre l'exemple des plus grands sportifs qui existent. Ils ont un coach qui les suit à chaque jour, à chaque semaine. Puis ce que je retrouve avec Catherine, c'est de me faire suivre une heure par semaine en individuel avec elle. On regarde le planning que j'avais fait au départ, le planning de la dernière semaine, est-ce que j'ai accompli ou non, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que le fait d'avoir un suivi vraiment constant, hebdomadaire, va me responsabiliser parce que en étant à mon propre compte, mon propre boss, c'est facile de mettre de côté le plan d'action puis de partir d'un bord ou de l'autre. Puis avec Catherine, ça va m'arriver quand même des fois de déraper, mais au moins, on va regarder pourquoi puis on va tout de suite corriger le tir pour la suite des choses. Ce que j'aime beaucoup à travers mon coaching, c'est que parfois, genre des semaines c'est plus difficile, des journées c'est plus difficile. Puis Catherine va toujours être là pour remettre les choses en perspective. Puis va le voir rapidement si mon mindset est mauvais à ce moment-là pour me remettre en perspective, que je me pose les bonnes questions, que je focus sur les bonnes choses, puis pour ramener rapidement mon mindset vers l'action, vers qu'est-ce que je peux faire pour corriger la situation, au lieu d'être vers le négatif, focus seulement les problèmes au lieu de focuser sur les solutions. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé beaucoup depuis le début de ma collaboration avec Catherine. Mon plus grand takeaway depuis le début de mon coaching avec Catherine, c'est vraiment au niveau du focus. Je reviens encore une fois sur le plan de match, puis de le suivre à chaque semaine. L'importance finalement de ne pas entreprendre 10 000 choses en même temps, mais de vraiment garder les yeux sur l'objectif, sur les stratégies, puis sur le plan de match, pour s'assurer finalement d'avoir les résultats escomptés. Fait que je dirais que c'est vraiment mon plus gros takeaway avec Catherine.